Princess Peach, Showtime, épisode 9, bienvenue à tous, vous êtes sur Hero Game Company. Non, je n'ai pas laissé tomber le jeu. Pour preuve, nous continuons les aventures de gameplay de ce petit jeu qui était vraiment très très sympathique, mais qui approche quand même doucement de sa fin. Donc on va bien entendu faire le gameplay complet jusqu'à le terminer. Il reste quand même encore pas mal de petites choses à faire dans cette vidéo. Nous allons donc faire deux niveaux ici pour terminer eh bien, l'étage numéro 3 de ce théâtre et faire le boss également avant d'arriver au quatrième et ultime étage. Mais avant ça, il y aurait également encore des étincellistes à libérer. Donc à mon avis, on devrait encore avoir un ou deux épisodes supplémentaires en plus de cet épisode numéro 9. Et pour l'heure, le niveau a l'air vraiment super sympa avec un nouveau pouvoir. Un conte de kung-fu. Je crois qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'école d'arts martiaux. Ok, c'est parti. Donc on va découvrir le pouvoir kung-fu de la princesse Peach. C'est excellent. Et on se retrouve a priori dans la Chine antique. Pauvre minable, tu sais pas te défendre. Je sens que ça va être le boss, lui. Je t'ai vu, merci beaucoup. Alors, j'imagine que les lampions là-bas, faut les allumer. Yes, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va rentrer là à l'intérieur? On voit, on voit. Oh oui, oh la vache, regardez le nombre d'étoiles qu'il y a récupéré dans ce niveau. Ça va être compliqué de ne rater aucun déjà, ça je peux vous le dire. Et bim, le rocher. Alors, attention. On nous barre la voie. Ok, on nous barre la route, on peut plus s'échapper. Vous ne passerez pas. Ne songez même pas à franchir la porte. Un artiste martial saurait quoi faire. Bon, allez, on va continuer tranquillement. Ah, c'est cool, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des trucs d'entraînement de kung-fu. Ah, je sens que le pouvoir est pas loin. Eh oui, ça y est, il est là. Waouh, attention. Yes. Alors, voyons ce pouvoir kung-fu de la princesse Peach. Excellent sa tenue, excellent. Et maintenant, quel est son pouvoir? Ah, elle est super belle, hein. Ouais, je sens qu'on va s'éclater après le ninja.
Peach se transforme en experte d'art martial kung-fu. Excellent. Mais qu'est-ce que je fais? Ça fait deux fois que je tombe dans le vide. Allez, jamais 203. Bon, on va peut-être se concentrer un petit peu. J'adore ces mouvements. Bon, maintenant qu'on est artiste martial, on va pouvoir passer la porte. Oh, petite étoile. Viens par ici. Comment je fais pour monter? C'est trop haut. Ah, on peut casser le truc, tout simplement. Cool. Deuxième étoile. Ok, donc là, il y a un trou. J'imagine qu'il n'y a pas un passage secret qui nous emmènerait quelque part. Eh ben non, c'était simplement un gouffre. Ok. Ah tiens, déjà, j'avais oublié de les péter. Allez, direction la grande porte. Alors ça, je dois vous dire que c'est un pouvoir qui est hyper satisfaisant. Il va être dans mon top 3 des meilleurs pouvoirs de la princesse Peach avec le pouvoir de ninja. On leur met la raclée. Ah, tiens, tu penses avoir une once de talent. Je vais m'amuser un peu avec toi. Alors attention, là, faut qu'on apprenne les commandes pour savoir comment le terrasser celui-ci. Il va falloir frapper au bon moment. Regardez le cercle. Là, pour l'instant, ça sert à rien. C'est quand le cercle se termine en étoile qu'il va pouvoir frapper et pas avant. Voilà, comme ça. Et bim! Oh, comme c'est beau. Tu es moins pitoyable que je ne le pensais. Nous nous reverrons à l'école si tu l'atteins. Ok, étoile supplémentaire. Et c'est la quatrième. Bah, la troisième, j'ai rien raté pourtant. Décidément, il y en a, je pense, qui doivent vraiment, mais vraiment être super bien cachés. Allez, continuons notre progression. Ah, il y a un truc là. Ok, des pièces d'or, ça roule. Et la petite étoile qui fait du bien. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis fait avoir. Bon, bah je me suis tellement éclaté avec le pouvoir de Kung Fu que j'ai pas vraiment fait gaffe. Je suis allé un petit peu trop vite. Donc on va peut-être se concentrer à nouveau un peu plus sur le gameplay. Pour ne pas avoir à revivre ce type de mésaventure. Mais c'est cool, regardez quand elle tape dans les jarres, vous avez les jarres qui partent tout droit, ça c'est excellent. On peut même casser les bâtiments en pétant les poutres. C'est classe. Alors, est-ce qu'on a une étoile à récupérer ici? Non. Vous devez juste sauter de poteau en poteau. Ok, d'accord. Là, attention, fragment de gemme étoile. Viens. Oh non, c'est pas vrai. Je suis tombé.
Je suis tombé et il a fait tomber une colonne où il y avait une gemme étoile. Donc là, j'ai beau aller sauter tranquillement et aller récupérer toutes. Oh non, ça c'est trop dommage. Il en manquera une. C'est la colonne qui s'est effondrée. Ok, donc une gemme en moins. Oh oui, c'est beau aussi ça, les mouvements sur les poutres, c'est excellent. Ouh, ça sent la reine ici. Je ne peux plus bouger, vite, il faut aller le sauver. Oh, il y a un peu de monde ici, hein. Ouh, un peu plus. Excellent. Oh la vache, regardez le coup qu'elle nous fait lorsqu'elle tournoie sur le poteau, c'est excellent. Encore et toujours plus de poteaux. Ton aventure s'arrête maintenant. On va voir ça. Ah, mais il vous faut tomber, c'est galère. Ah tiens, j'ai pas compris là, étoile supplémentaire, j'en ai encore sauté une, oui ça c'est celle avec le morceau de gemme raté, malheureusement. Oh oui, attention, on a une chance d'en récupérer une là. Vite, chope le cœur. J'arrive pas à monter à l'étage. Comment on fait? Comment tu grimpes au poteau? Peut-être tout simplement qu'on peut pas, voilà, qu'il faut passer par là. C'était tout bête. Yes! Une étoile en plus. J'en ai quand même raté 3 encore. Maître, nous venons vous sauver. Ok, je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin du stage. Oula, ça sent le gros affrontement par là. Éliminez-la. C'est plutôt moi qui vais vous éliminer. Alors attention à ceux qui ont des bâtons là. On peut pas vraiment les attaquer de front, faut attendre qu'ils tapent. Voilà. Waouh. Je crois que j'en ai jamais eu autant en même temps, je sais pas ce que vous en dites. Allez, c'est bon. Première vague terminée. Waouh, mais ça s'arrête pas.
incroyable. Alors ça c'est excellent. Là le secret c'est vraiment d'utiliser les poteaux et de faire des attaques tournées, des attaques tournoyantes. Regardez ça, vous les éliminez d'un coup. Ok. Ça c'était top comme passage. Le maître, il est ici. Tu as la technique d'une artiste martiale. L'ennemi est à l'intérieur, sauf notre école. Ok, let's go, affrontons le grand méchant, le grand maître. Alors, tu es revenu ? Bon, on connaît la technique maintenant. Il suffit de frapper au bon moment. Yes, une fois. Ah cool, on change de décor. Et c'est reparti. Et deux fois. Oh, oh oui, l'attaque de fou. Ah bah non, c'est bon, fallait pas le taper trois fois, mais seulement deux fois. Niveau terminé, vous le voyez, eh ben, j'ai raté quand même à nouveau 3 gemmes étoiles. Et en plus, il me semble également que j'ai pas réussi à choper le ruban. Thank you. En effet, pas de ruban, mais ce n'est pas grave. C'était quand même un niveau, je sais pas ce que vous en pensez, mais il était vraiment très très classe. Ok, retour au théâtre. Le ruban se libère. Et il ne nous reste plus qu'un stage à faire pour affronter le boss de cet étage. Alors, qu'est-ce que ça sera comme pouvoir ? Un pouvoir qu'on connaît déjà. Celui de Peach Détective. Crime par temps pluvieux. Alors, c'est pas forcément le personnage que je préfère, parce qu'ici, eh bien, vous n'aurez pas d'action. Vous aurez simplement de la déduction, eh bien, une enquête à mener pour essayer de trouver le criminel. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Détective, détective! Oui, c'est moi. Un bon assistant se doit d'arriver en avance. C'est pour ça que je suis déjà là. Ok. Quelqu'un m'indique un individu suspect rôde dans les parages. Il passerait par ici tous les jours, alors on va l'attendre. Ok, donc il va simplement falloir regarder les passants, et essayer de trouver celui qui aurait un air un peu suspect. Ok, pour l'instant ça m'a l'air d'être normal. Lui, c'est lui. Ça ne fait aucun doute. Suivons-le sans qu'il nous voie pour avoir une idée de ce qu'il compte faire. Donc là, ben c'est simplement, voilà, il faut le suivre de loin et surtout ne pas se faire repérer comme je viens de le faire maintenant. Ben, j'ai été repéré, il m'a viré un cœur. Donc on va garder cette distance et quand on le peut, se cacher derrière des, comme ici, derrière une cabine téléphonique pour pas qu'il nous voie. Toutefois, sans le perdre de vue. Là, il me voit pas, si. Ah, si, il m'a vu. Putain. Bon, bah il a fichu le camp. Par contre, il a laissé une note. Tout se déroule comme prévu. Vous savez quoi sera bientôt prête. Retrouvons-nous à notre repère. Assurez-vous de ne pas être suivi.
Il a l'intention de préparer un gros coup. Alors, où est-ce qu'il est passé? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une flaque. Je me demande s'il a plu récemment. Ok, donc qui dit flaque, qui dit normalement trace d'eau. Alors, continuons notre petite enquête. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Des tableaux, ok. Interrogeons les personnes. Détective extraordinaire, œuvre de Mirifique. Si j'ai remarqué quelque chose, j'ai juste entendu quelqu'un marcher dans une flaque. Ok. Quelqu'un a marché dans une flaque d'eau. Très bien. Tu crois que cet individu est suspect et passé par là? Non, pour l'instant, on va pas le, faire. On va interroger tout le monde quand même. J'adore Mirifique, mais je suis incapable de trouver l'original parmi ces tableaux. Trouve le tableau de Mirifique pour moi, s'il te plaît. Ben, on va interroger le reste du monde, ça va nous aider peut-être. Est-ce que c'est celui-ci l'original? Ville paisible, œuvre de Mirifique, étudiant en art. Joli château, œuvre de Mirifique. Comment je sais lequel est le bon? Ne te laisse pas berner par ce tableau de château, il a été peint par un usurpateur. Qui suis-je? Un simple artiste. Donc le château serait pas le bon. Alors, comment le croire? J'ai l'impression que ça m'a l'air d'être quand même une œuvre un peu plus soignée. On va tenter le coup, on verra bien. Attention. Aha! Yes, et c'était bien l'œuvre de Mirifique. Excellent. Et la récompense, c'est quoi alors? Un ruban. Nickel. Bon bah c'est pas tout ça, mais on sait toujours pas où est passé le gars qui a marché dans une flaque d'eau. Normalement on devrait voir quelque chose par terre, on va voir ça. Et effectivement, regardez, lorsque vous utilisez votre loupe, vous voyez des traces de pas. C'est assez encombré par ici. Est-ce une poubelle? Et cette poubelle, est-ce celle d'une boutique? On va voir ça. Yes, passage secret, il est bien passé par là. Ok, allons-y. Yes, on le retrouve. Allez, seconde séquence. Toujours pareil, ne pas se faire repérer. Donc là, on a des caisses derrière lesquelles on peut se cacher. Ok, ça passe. Bien, il a filé, il va falloir qu'on trouve le repère. Mon ami a emménagé dans cet immeuble, juste un peu plus loin dans la rue. Il a intérêt de m'inviter. Des types louches? J'en ai vu près des duplex qui ne sont pas très loin. Ok. C'est quoi ça? Des pièces, cool. Il paraît que leur repère est dans ce coin. Dans le coin, donc ça serait une extrémité? Tiens, cette porte est ornée d'une fleur. Ah oui, vous voyez, il y a une petite fleur au-dessus. Et là, il y a une feuille au-dessus. Il est temps d'en finir. Vous le savez quoi? Retrouvons-nous tous les trois.
au repère. Donc le repère est l'un de ces trois immeubles. Lequel ? Là, on a une feuille. Et là, on a deux feuilles. Quel est le repère ? Il va falloir qu'on trouve. J'ai vu quelqu'un de suspect. Personne n'est passé par ici. Tu as regardé dans cet immeuble ? Mon frère et moi habitons le duplex de droite. Ok, donc eux habitent dans la porte avec les deux feuilles. C'est donc déjà pas par là. Donc il reste que la fleur et une feuille. Des tiplous, j'en ai vu près des duplex. Ok, d'accord. Mon ami a emménagé dans cet immeuble, c'est juste un peu plus loin dans la rue. Il a intérêt à m'inviter. Ok, pour l'instant on sait toujours pas dans quelle porte. Je viens d'emménager en colocation dans un duplex orné d'une fleur. Voilà, c'est bon, on le sait. Ce n'est ni la fleur, ni la porte avec les deux feuilles. C'est forcément celle du milieu. C'est celle-ci. Bien joué, et nous avons une étoile. Alors maintenant, attention. Va falloir ne pas se faire repérer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer ? Une bombe ? Ils vont faire péter un truc. Qu'est-ce que vous fichez là ? On est grillé. Bon, on passe à l'action. Bien, alors le truc maintenant, c'est de découvrir où ils vont poser cette bombe pour empêcher l'attentat. Regardez derrière sur le mur. Vous avez un plan qui nous indique où la bombe sera posée. Explosion, minuit, cloche. Ok, cloche. Qui dit cloche dit clocher. C'est peut-être par ici que ça se passe. Regardez bien, on a le repère et on a en bas à gauche une espèce de rue. Du repère en bas à gauche. On a également un pont qui est dessiné. Ça va peut-être nous aider à nous repérer. Alors, c'est quoi ça ? Maquette d'un musée. Ça ne te rappelle pas quelque chose ? Ici, on a le fameux pont. Et regardez attentivement, lorsqu'on met la loupe, vous avez sur le sol un plan qui se dessine. Et ce plan reprend exactement le dessin du plan qu'on avait sur le mur. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la ville. Et on voit le clocher. Je suis quasi certain que c'est le clocher. Regardez attentivement le sol. Là où se trouve mon assistant, c'est le repère. On avait dit en bas à gauche. Et donc on arrive forcément. Regardez, on arrive où ? On arrive au clocher. Je pense que c'est ici qu'est cachée la bombe. Yes, c'était ça. Une étoile, on en a raté une autre encore. Bien, allons donc à la grande horloge pour déjouer l'attentat et trouver la bombe. Ciao les minables. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, prenons l'ascenseur pour les rattraper. Six, fonctionnement de l'ascenseur. La clé correspondant au numéro affiché fera monter l'ascenseur à cet étage. Ok, clé numéro 8, étage numéro 8. Vous le voyez, les méchants sont allés à l'étage numéro 6. Il va donc falloir trouver la clé 6. Là, bien, il y a un chiffre qui a été effacé, on ne connaît pas. Là non plus, là c'est le 9, sauf que, vous le voyez, ce n'est pas un 9. C'est un 6 qui ne tient plus, qui est retourné. Je pense que c'est ça la clé.
Yes, c'était bien ça. Allez, prenons la clé et montons au 6e étage. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. On va aller dans la pièce juste à côté. Encore toi, tu ne passeras pas. Ok. Il y en a un qui a déjà été mis hors d'état de nuire. Vous pourrez bien la chercher, vous ne risquerez pas de la trouver au dernier étage. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Il vient de nous dire justement que la bombe se trouve au dernier étage. C'est excellent. Ok. Maintenant, faut trouver un moyen pour monter. Ok, on a des mécanismes. Donc, il faut monter tout là-haut. Un fragment de quelque chose. Bah, ça m'a l'air d'être un engrenage, tout ça. Un deuxième. Il doit y en avoir un autre quelque part. Ah ben voilà. On les a toutes. On les a toutes, les pièces. Et voilà qui déclenche l'ascenseur qui va nous permettre de monter à l'étage supérieur. Alors là, le problème, c'est que l'engrenage est cassé. On ne pourra pas s'en servir. Et que là, il faut une clé pour faire marcher tout ça. Ok, ben allons-y, cherchons. Cet appareil doit contrôler l'ouverture du conduit d'aération. En regardant de plus près, on peut voir que des rouages y sont connectés. Mais comme le rouage il est cassé, il faut qu'on en trouve un autre. Et ça tombe bien car de l'autre côté, regardez, on peut l'emprunter celui-ci je pense. Et le mettre à droite. Sauf que regardez attentivement, il y a quelqu'un qui est caché derrière le grand rouage là. Arrêtez-le! Vous m'avez peut-être attrapé, mais ça n'empêchera pas la bombe d'exploser. Alors, eh bien regardez ça, nous avons ici, nous avons quoi? Eh bien nous avons une clé, sauf que j'ai fait un mouvement qu'il fallait pas. Reviens Peach, va chercher la clé. Et ça déclenche l'ascenseur pour aller au dernier niveau. Et ben maintenant, il va falloir qu'on chope la bombe. Où est-ce qu'elle peut bien se trouver? Bah regardez, il y a des traces de pas. Elle est dans la cloche carrément. Yes, c'est ça. Nous l'avons trouvé. Sauf que... Petite étoile, ok. On en a raté trois quand même. Attends un peu, il n'y a aucune raison de se réjouir.
Et ouais, la bombe est toujours là. Elle va bientôt exploser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bonne idée. Il y a la rivière de ce côté. Vite. Il la prend. Oh, c'est bien fait, hein. Ah, il l'a fait tomber en plus. Vite, Peach. Waouh. Nickel, et ben il était quand même sympathique ce niveau et cette enquête. J'ai bien aimé. Alors, est-ce qu'on a chopé le ruban? Ben non, on n'a pas chopé le ruban et en plus on a... Ah si, on a chopé le ruban. Je dis des bêtises. Mais on a raté 3 étoiles. Bon. Retournons au théâtre. Ça libère le dernier ruban. Et forcément, on aura droit à un petit boss. On va conclure cet épisode 9 avec ce boss. Et vous le voyez, étant donné que nous avons fait déjà 2 stages avec le pouvoir de Peach Détective, on aura également un étincelliste à libérer. On fera un petit tour au sous-sol dans l'épisode numéro 10. Pour l'heure, occupons-nous de cette porte et découvrons le boss. Je sens qu'on va l'affronter prochainement. Peach, Estella, comment osez-vous défaire ainsi mes pièces pourtant si grandioses? Il est maintenant clair que je vous ai sous-estimé et que je devrais même vous considérer comme des rivales. Malgré vos efforts, la scène qui doit accueillir ma grandiose œuvre tragique sera bientôt terminée. Waouh, c'est qui lui? Il est magnifique. L'humilions, sois gentil, occupe-toi de ses casse-pieds. Ça sera donc lui le boss du jour et il est juste magnifique. Maintenant, eh bien, il va falloir apprendre comment le terrasser, ce boss. Alors, voyons ça. À mon avis, ça a quelque chose à voir avec ces boules de lumière qu'il envoie. Je pense peut-être qu'il faut lui renvoyer ces boules. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je peux pas le taper directement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bim! Yes, c'est bon. Allez, une fois, eh bien, il n'y a plus qu'à refaire ça encore 2 fois, phase 2. Attention, il va modifier son attaque. Thank you.
Et de deux. Yes. Oh, attention à ces attaques de fou là. Waouh, ils sont carrément 4 maintenant. Bon, j'aimerais bien le toucher et en finir. Allez, ça devrait plus trop tarder maintenant. Yes, ça y est, ça y est. Boum! Nous sommes arrivés au bout de l'humilion. Ah, il était cool ce boss, hein. Bon, ben, encore un étage de libéré. Est-ce qu'il va encore y avoir tout un étage supérieur? Il y en a un, mais à mon avis, ça sera exclusivement pour le boss. Donc, est-ce qu'on va affronter le boss déjà dans l'épisode suivant, dans le 10? Je ne pense pas, on a quand même encore des étincellistes à libérer. Peut-être qu'on arrivera à tout faire en une fois. Une grande partie du théâtre a retrouvé sa splendeur et c'est grâce à toi, Peach. Ton étincelle fait vraiment des miracles. On devrait monter une pièce à ton sujet. Maintenant, avant cela, il faut qu'on s'occupe de Syrah, le prochain étage, et aussi le dernier. C'est peut-être là-bas qu'on va la trouver. Eh bien les amis, on en finit là pour cet épisode numéro 9. Est-ce qu'il y aura un épisode 11 où on terminera le jeu à l'épisode 10? Vous le saurez en regardant eh bien, le prochain épisode de Princess Peach Showtime. Pour l'heure, nous allons aller au sous-sol et libérer les étincellistes. Donc je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Princess Peach Showtime. Regardez, nous aurons, d'accord, le quatrième étage. On aura donc encore des stages à faire et pas d'affrontement direct. Je vois le pouvoir de Kung Fu, je vois le pouvoir de Sirène. Autant d'étincellistes à libérer encore. Merci à tous, on n'oublie pas les abonnements et les pouces bleus, et à très très vite pour la suite des aventures de Peach sur Hero Game Company. Bye bye. Ciao.